Là dans la ligue, tu te prends un empalcorne ou un guillotine, on va voir tout. Mais je pense qu'on va en perdre. Hein. Je pense honnêtement, on fait tout ça pour ça se trouve, on perdra en 5 minutes. Hein. C'est pas impossible, je vais pas vous mytho. Que c'est pas non plus impossible, impossible, hein, mais bon. Par contre, oui, il faut qu'on aille en haut, plutôt on avait dit, effectivement, c'est plus rapide. Vous aviez raison. Ok. C'est beaucoup plus rapide. Pourquoi tu fais pas voler le Dracolos? Parce que, en gros, je réexplique, il ne devrait pas, c'est une modification de l'émulateur, il ne devrait pas normalement évoluer à ce niveau, donc je le fais pas évoluer parce que c'est du cheat, en fait, ça n'arrive pas normalement dans ton aventure. Donc, voilà. Alors, attendez. Voilà, on va le re-entraîner d'ici. Ça va, ça vous va la petite session XP, là? Hop. Hop. Ça en avance. Il le faut, hein. Il le faut, il le faut. En vrai, 44, ça va. Hein. Ça commence à arriver dans des sphères plutôt sympas. Même les autres sont passés niveau-là. Nice. Va finir par te détester si tu ne le laisses pas évoluer. Ah, écoutez. Écoutez, écoutez. En vrai, quel plaisir de te regarder sur Twitch. Moi qui étais plutôt adepte de YouTube. Ah, moi aujourd'hui, je... Je kiffe vraiment Twitch. Hop. Je kiffe vraiment tout. Putain, quand on prend des gros Pokémon comme ça qui nous donnent beaucoup d'XP, ça c'est bien. Un petit Rhinocorne aussi, là, ça fait longtemps. Hop. 612. On avance. On avance. C'est dommage qu'on ait pas plus de... C'est effectivement dommage qu'on ait pas un petit peu plus de... Comment on appelle ça? De super bonbons. Mais bon. Au moins là ça nous permet maintenant d'XP assez bien. La co-charge. Ah non. Toujours peur un peu de faire des bêtises des fois. Ouais on va arrêter, nous on va arrêter vers 20h je pense à peu près. Ok. Ok. Faut faire gaffe parce que ça peut quand même tourner vite. Hein. Voilà, de toute façon on va pas démarrer la ligue donc je pense que ça va être de l'XP. Beaucoup d'XP là, je pense. Hop. Sans faire de bêtises si possible. Spectrum, par contre. Spectrum, je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on le mettra à 40, mais. Et pas au-delà, je sais pas. Le faire évoluer 53 peut être bien car il apprend dans ce Draco. Ouais, mais bon, normalement, il. Il est pas censé évoluer 53, tu vois. Il est censé évoluer 55, on est d'accord. C'est son. Donc. C'est un peu de la triche, quoi. C'est un peu cheaté. Comment il peut apprendre 53 à Dracolos vu qu'il évolue 55? Ah, tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Hop. Ah, 891, ça c'est bien. Hype pour la conférence Nintendo de juin au passage. Bien sûr! Évidemment qu'on est hype. Même si en vrai, je sais pas trop ce que j'en attends. Je sais pas trop ce que j'en attends, mais... Et Kaiker pour Danse Draco. Ouais, au pire. Bah, je sais pas du coup si on fera ça la prochaine fois. Hop. Allez! Putain. Oh putain, tu fais chier. Toujours aussi dangereux. Toujours aussi dangereux cet endroit. Ne pas tomber sur un laser glace. Ouais, ce serait bien. Non, la conférence de juin n'a pas encore été annoncée, ouais. On verra bien. Nous verrons. Attendez, on y retourne. Hop. Allez. Lui, vas-y. Ce serait bien qu'il les one-shot, voilà, c'est bien. Putain, voilà, mais ne tombe que sur ça et on va XP très vite. 891, c'est abusé. Ah, tiens, une corne, on en parlait. Ok. Voilà, là, ça XP très très vite quand c'est comme ça. Salut Zordof! J'ai pas besoin d'attendre juin, j'ai eu ma bonne nouvelle sur le projet que je suis. Oui, oui, tu nous le disais, ouais. Hop. Dès qu'il va pouvoir commencer à défoncer tout le monde en un coup, ça va aller très vite. Il y a que lui qui... éventuellement être chiant.
Et encore. Ah si, il donne pas beaucoup en plus. Ouais, en vrai... En vrai, je pense qu'on va fuir quand on va en voir. Parce qu'honnêtement, c'est pas ce qui donne le plus. C'est chiant, quoi. Tu comptes te lancer dans l'industrie du jeu vidéo. Tu veux dire créer mon propre jeu vidéo? Ah, comme j'ai toujours dit, j'adorerais. J'adorerais. Bien le bonsoir, j'arrive à l'heure comme toujours. Bonsoir à ceux qui arrivent. Bon, alors. Hop. En fait, ça ne fait pas tant gagner du temps parce que le fait de les buter, ça aurait pu me donner l'XP. C'est plus éviter de perdre de la vie bêtement sur eux en fait. Qui peut être pas mal. Un peu fait vitesse extrême. C'est histoire de pas gâcher un. Voilà. Yep. Bientôt 46, bah en vrai. Hop. Faudrait un Mario Maker version Pokémon. Comment tu veux faire ça? Ah, il est chiant. Bon, vas-y. Le mec se contredit instantanément sur ce qu'il a dit juste avant. Comment tu fais un Mario Maker Un jour, on va peut-être annoncer les courses Mario Kart 8 DLC. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis. Rien que pour ça, je pense qu'il y aura un Nintendo Direct, en fait, oui. Pour annoncer les nouvelles courses qui diront peu après cette présentation, machin. Putain, j'y pensais plus à ça, mais c'est vrai. Rien que ça justifie la présence d'un direct, je pense. J'ai failli me planter le fer à rouler. Hop. Eh, en vrai, on est à 9 niveaux. Hein. Ça avance, hein. Hop. Ça avance, ça va faire de plus en plus mal. Shieldron crée son propre fangame Pokémon. Ah oui, non, mais là je parle pas de fangame, là. Bon, ceci, même un fangame, je saurais pas trop comment faire, mais... Non, Razor Duff, c'est un bug, il devrait pas évoluer normalement. C'est pour ça qu'on le... Ah, ok, c'est bon, il commence à pouvoir one-shot un peu tout le monde, c'est bien. Ah, on va peut-être arriver à Dracolos, en fait, les gars. Ce serait pas mal, en vrai, d'avoir Dracolos là, avant la fin. J'y crois pas trop, honnêtement, mais... S'il fait de plus en plus de dégâts... Regardez. Je sais pas combien on met par minute. Je pense qu'on prend à peu près 5 minutes par niveau. Et encore, 5 minutes, je pense que je suis gentil. 5 minutes par niveau. Et 35. Il déborde un peu. Après, ça va être de plus en plus long, mais on va aussi faire de plus en plus mal. Regardez, déjà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un aller-retour. Par contre, Spectrum est toujours très bas, mais bon. Ça, c'est un autre débat qu'au pire, on fera la prochaine fois. Je sais pas, on va voir. Hop. Prochaine fois, ce sera fin de session d'XP plus peut-être League. Hop. 180. Allez. Ça. C'est vraiment l'XP chill, quoi. J'aimerais Copa Cap en course pour le DLC. Alors, je t'avoue, je sais même plus ce que c'est. Je t'avouerai. Putain, par contre, attendez, c'est un moment que j'ai plus le... Voilà. J'avais plus le truc des subs et tout. Spectrum très bas. Il y a des Pokéo et bas, c'est éternel débat. Éternel débat. Oh, merde. Oui, Shen, oui. Hop. Allez, on continue. Pendant qu'on achète piège de roc et tout aussi, tout ça sera fait prochaine fois, je pense. C'est bientôt 47. On va essayer de chronométrer, vous savez quoi, attendez. On va essayer de chronométrer hein, une prise de niveau. Ouais, j'en suis sur ce genre de... J'en suis sur ce genre de truc. Ok, donc... Mettre un chrono. Rune Protec. Ah! Ouais, mais à la place de quoi? Toujours pareil. Non. Bonne soirée, Foxy. C'est exponentiel. Oui, c'est ça. Même si j'ai une valeur, elle augmentera. Oui, c'est ça, mais bon. Alors. Allez, on est parti. À peu près, quoi. Moi, je dirais environ 5 minutes. Bon, ça dépend aussi de si ça touche ou pas.
Parce que quand ça touche pas, ça devient compliqué. Et puis c'est surtout, ouais, après on prend de moins en moins. Mais bon, là au moins il XP bien, bien, bien. Au pire, même s'il évolue pas aujourd'hui, on pourra toujours se dire, bah, en vrai, même s'il évolue pas aujourd'hui, c'est pas grave. Il aura quand même bien, bien XP. La prochaine fois, on le fait évoluer. Ce qui était déjà pas gagné. Je rappelle qu'il était niveau 20 au début du live. Hein. Donc ce qui était quand même pas gagné. Attention à ce qu'il nous balance pas un ampleur dans la gueule. J'ai des... Ah, prends les super potions. Niveau 55, il évolue en fait, Nat. En vrai, tu te fais chier à les XP, mais si ça se trouve, tu vas rouler sur Alix sans même les utiliser. C'est possible. Mais c'est surtout histoire d'avoir... C'est surtout histoire d'avoir le Pokémon qui est... Qui est au max, quoi, tu vois. En fait, c'est surtout ça. Enfin, pas au max, mais comment dire. Qui a évolué, tu vois. Et qui a du coup ses attaques, machin et tout. C'est surtout ça, en fait. Hop. Copa Cap, c'est la course avec la rivière, où tu rentres dans un tuyau, la sortie. Ah oui, ça me dit un truc, ça. Mais il y en a une similaire, déjà, non? Il me semble qu'il y en a une qui est similaire. Putain, par contre... Bon, là, ça passe à chaque fois, donc ça va, mais... Faut te chier. Après, faut compter l'aller-retour au centre Pokémon, machin, des petits trucs comme ça, mais... Il est évoqué niveau Draco. 55. Et vu que là, de toute façon, il est trop tard pour démarrer la ligue. Après, là, c'est de plus en plus lent, mais... Mais ça va. Hop. Ben là. C'est long. C'est... Ça va, en vrai. En vrai, c'est de plus en plus... Enfin... Je pensais vraiment pas qu'on le... Pour moi, déjà, s'il atteignait niveau 40 aujourd'hui, c'est incroyable. En fait, 47 déjà, donc... il monte quand même. 2 minutes 25. Ça m'a pris, là. Ça va. 2 minutes 25, ça va. Ouais, ça se trouve, il va se faire... Il va se faire rouler dessus. C'est possible aussi. C'est possible aussi qu'il se fasse rouler dessus, bien sûr. Hop. 181. Dans tous les cas, même, il est plus haut niveau. À part mon alligator, il est plus haut niveau que tout le monde là. Donc il a déjà bien. Il est déjà bien monté en vrai. Est-ce que ça one shot? Ouais, ça one shot, c'est bien. On continue. Tant qu'on peut un peu faire là. On a des PP encore. Après, faudra lui mettre des meilleures attaques très certainement, mais bon. C'est un peu la fin de live chill XP. J'aime bien. Est-ce que vitesse extrême marche bien ou pas? Puis on peut faire vitesse extrême. Au pire, on peut faire vitesse extrême pour gagner un petit peu. Alors, cage éclair pour l'instant qui nous sert pas à grand chose, on va pas se mytho. Ça. Ok. Par contre, si là on chope encore des... Voilà, parfait. On est presque 49. Ça va. Quand j'ai Dracolos ou Dracolos. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais compris. T'inquiète, Pelux. Ça veut dire que c'est soit mon Dracolos, soit celui de Peter, bien sûr. Non, mais bien sûr. T'inquiète, j'avais bien compris. Allez, on cherche. Peut-être la course la Gondauf, hein, un truc comme ça. Sur Mario Kart? A voir. En ce moment, je regarde ta playlist Zelda Breath of the Wild pour la deuxième fois. C'est vrai? J'ai pas mal de vidéos là qui sont prévues. D'ailleurs, je vais refaire des défis parce que la vidéo défi vous a bien plu. Donc, faut que je refasse des défis aussi par rapport à ça. Allez, dis-moi que c'est un. Oh putain. Faut que tu le one shot. Hein. Là, bon. Hop là. Bon, on est quasi. Quasi 49. Hop. En vrai, en fait, au plus on XP, au plus on fait des dégâts aussi, donc... Donc ça va. Écoutez, là, je le pousse le plus haut possible, comme ça au moins, après il sera évolué. Je pensais vraiment pas qu'on aurait le Dracolos pour la ligue, mais... Peut-être possible. La Gondauf est dans le jeu de base? Je sais plus.
Il y a tellement de courses maintenant. Tu les tourneras en live, les défis. C'est pas prévu. Enfin, ça dépend la taille du défi, ça dépend. Au départ, non, c'est pas prévu. Mais après, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, en vrai. Hop. Hop. Allez, on empêche. Ok. Ok, Rhino Corn, let's go. Ça monte, hein. Ah, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je me mette. Si ça pouvait toucher, voilà. Quand ça touche, ça fait très mal et en plus... en fait, il donne beaucoup d'XP, eux. J'ai pas... On est d'accord qu'il n'y a pas un endroit... où je peux avoir des meilleurs Pokémon en termes d'XP là, à l'heure actuelle. On est d'accord que là c'est... Bon après ça paraît logique mais... J'allais dire là pour l'instant faut que je reste sur la roue victoire, j'ai pas trop le choix. Voilà, des Dunfan, ça c'est bien. Ça c'est bien. Il y aura la rediff sur ta chaîne YouTube? Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours les rediffs. Toujours les rediffs. Ok, Onyx. Tellement content de voir une nouvelle vidéo Breath of the Wild. L'attente est longue pour le depuis, putain. À qui le dites-vous? À qui le dites-vous? Tu pourrais faire un défi où tu recommences les épreuves de l'épée. Je sais pas, faut voir. J'ai eu pas mal de propositions. J'ai pas encore fait le tri, je vous avouerai. C'est un truc que j'ai envie de faire de temps en temps, mais pas forcément toutes les semaines ou quoi. Enfin, j'ai pas encore eu le temps de trop regarder. J'avais noté quelques idées sympas. Donc on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Je pense que pour 20h, ce sera compliqué quand même d'être 55. Un peu vomito. Bon, après, au pire, c'est pas grave, on déborde un peu. On va voir. Ou au pire, on terminera la prochaine fois. En tous les cas, on le monte bien, là, déjà, c'est très bien. Hop. Mais ouais, sur Zelda, là, j'ai plein de trucs au cas où. Hop, Dunfan. Dunfan, c'est vraiment le mieux. Hein. Je le one-shot à chaque fois, et c'est ce qui me donne le plus d'XP. J'ai pas un truc qui me fait gagner plus XP, un 9 chances ou quoi? Ouais, un 9 chances, mais j'en ai pas. Actuellement, 24 épisodes Pokémon sur la chaîne secondaire. T'en es où à peu près dans la diffusion, Kiro? Je me rappelle plus. Genre, t'es à jour ou... 24 épisodes, pas mal déjà. Et en fait, vu qu'on est en accéléré aussi, il y a ça. Hein. Vu qu'on est en accéléré, on va plus vite. En vrai, sans l'accéléré, on serait jamais... On va dire que l'accéléré compense le multi-XP à l'ancienne, quoi. En fait, c'est un peu ça, quoi. Retonton. Voilà. Il me reste une VOD avant ce live. Ok, ouais, donc on est bien quand même. On est bien. Draco 50. T'es parti, il était niveau combien? Là, on le full XP, là. Hop. 44, je crois. Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on disait. On a chronométré, ça prend environ 2-3 minutes par niveau. Ah quand le live 12h, c'est vrai putain. C'est partie des sub goals qu'il faut que je fasse. Je vais voir. Peut-être pendant... Peut-être cet été ou je sais pas. Je vais voir. Ça va arriver. Promis, ça fait partie des sub goals qu'il fallait qu'on fasse, on le fera. C'est promis. Je suis pas parti longtemps. Ouais, t'as dû partir quoi, 20 minutes? Je sais pas. 12h panique. T'inquiète. Ça va bien se passer. Ah, j'aime bien quand Draco charge, ça touche comme ça. Les œufs chances seulement sur les Levenards capturables. Ouais, à l'heure actuelle, Levenard. Je sais pas si on pouvait en capturer quelque part des Levenards à l'heure actuelle. Je ne sais même pas. Bonne chance pour les 3 millions, je te suis depuis la série Objectif Lune saison 1. Quand tu es comme ça, t'es meilleur. Merci, Sérieux Sam, merci beaucoup. C'est gentil. 3 millions, on en est loin. Hein. Pas vos mythos. Moi, avec ce qu'on a, ça me va très bien. Que les motos soient boostées au Red Bull, au café. On avait déjà fait un live 12h. Hein. Pas 24 non plus, ça va. On avait déjà fait un live 12h. Mais d'ailleurs, quand on avait joué... enfin, quand on avait joué, putain, rien à voir. Rien à voir, je passe du coq à l'âne. Quand on a eu à Akajou, là, qu'on était avec Peter en duo, il avait déjà un Dracolos, non? Mais il était pas 55. C'est un Dracolos qu'il avait, je sais plus. Je sais plus du tout. Hop. Hop. Est-ce que Mist avait fait passer le doc avec l'idée de ce goal dont je t'ai parlé il y a une heure? Je sais plus. Sûrement, oui. Sûrement, il me semble, oui. Tu me mets le doute, là, mais... Elle avait dû me passer ça, ouais. Ça, tu l'avais passé il y a longtemps?
Elle m'avait envoyé un truc il y a pas très longtemps. J'ai plus. C'était ça. Quand feras-tu le chapitre 2 de Poppy Playtime? Il est sorti? Ouais, le Peter du le Dracolos de Peter en dessous du niveau d'évolution. C'est bien ce qui me semblait. Hop, ça dégage. Je regarde ton live depuis plus d'une minute, mais je comprends pas ce que tu fais. J'XP Draco pour qu'il évolue en Dracolos. Tout simplement. Et on s'en rapproche, mine de rien. Je vais passer il y a genre 4 jours. Ah, elle me l'a peut-être passé. À quand retour sur Pixelmon? Ah ah! Qui sait, peut-être. Et là, Gravel Enchaîne, ce serait bien en vrai. Là, faudrait qu'on trouve que des Nosferalto ou des Dunfan, ce serait très bien. C'est ce qui rapporte le plus. Hop, 51. Hop. Et là, on parie quoi que niveau 55, par réflexe, je vais lui annuler. Non. Ah, dommage. Ok. J'ai de nouvelles idées en plus, ça vient de mon esprit de malade. Ah, c'est vrai que là, les Sugwalls, ils sont tranquilles, ils sont gentils en vrai. On en a remis, mais les gens sont plus calmes. Bah, après, les idées de malade, hein. Si c'est de teindre les cheveux en rose, c'est non. J'ai 30 ans cet été. On fera un live pour les 30 ans. Est-ce qu'on fera un live? Vous me ferez des subs? Vous me ferez des sub gifts pour mes 30 ans ou pas? Pardon. C'était d'une honnêteté beaucoup trop honnête. Oh. Le rat. Oh merde, ce call. Bon, bien sûr, on sera en double stream hein, sur YouTube et puis... 30 subs. Ah, vivement les 99 alors. Oh là là. Ce call beaucoup trop honnête. Ah, je me fatigue. La doublette. On en fait deux. Ouais, y'a moyen qu'on en fasse. Eh oh, on a 30 ans qu'une fois dans une vie, hein, les gars. Vous m'avez connu, j'avais 18 piges, je vivais chez ma maman. Hein? Vous savez ce qui va vous faire bizarre? C'est le jour où moi je serai papa. Pas de coup critique, s'il te plaît, sinon tout ce qu'on fait là. Mais c'est écrit hein, qu'on va le perdre. What? Attends, j'ai eu l'impression que ma barre d'XP avait redescendu. Trop bizarre. 30 piges, ça mérite des dingueries. Ah, au plaisir. Je peux en faire un petit live spécial. Alors, sous-entendu, chez moi, un live spécial, ça veut dire du just chatting. Hein. Non, mais ce sera surtout pas le jour de mon anniversaire, je pense. Mais... Sinon, j'en connais une qui va me tuer. Live sport, un sub égale une minute de vélo d'appart. Wow. On se calme. Bon, alors, on continue. C'est de plus en plus long. Eh, ça approche, mine de rien, les 30 ans. En vrai, ça va. Je suis plutôt content, paradoxalement, je sais pas. Tout va bien dans ma vie et tout. Tout se porte bien. Je t'ai connu, purée, à l'époque de la première série des caves sur Minecraft avec Hunster. Ouf. Je trouve pas de vidéo de quand tu avais 18 ans. Ah bah putain, pourtant, il y en a. 19 ans en août, perso. Eh, faites gaffe, ça va vite, hein. J'avais cet âge-là au début sur YouTube. Hein. Ça va très très vite, hein, regardez. Ça va trop vite, d'ailleurs, ça fait un peu peur. C'est-à-dire, autant je batte pas sur les 30 ans, autant je batte sur la vitesse. C'est-à-dire, je me dis, là, ok, très bien, donc ça fait 12 ans que je suis sur YouTube, dans 12 ans, j'aurai 40... Oh, putain. Et encore après, j'aurai presque 60, 27... Genre, tu vois, c'est ça, plus ça qui me fait aller, c'est la vitesse. OMG, de l'air frais. Pourquoi de l'air frais? Il pleut? Pour le 1 sub égale une minute de vélo d'appart, je ramène Xivarel, Blue Sky, Blazer et moi. Ça me va. Chez moi, il pleut. Il pleut peut-être chez moi aussi, je sais pas. Là, je passe vite, ça fait peur. Ouais, c'est plus ça, on va dire. Je t'ai connu avec Free sur FK3, ça rajeunit pas. J'avais 18. FK3, j'avais 18. Non. FK3, j'avais 19. En gros, c'est simple. Moi, j'ai eu 18 ans 30 janvier 2010 et je me suis lancé 3 février 2011 sur YouTube. Donc, voilà. Faites le compte. Hein. 20 ans bientôt, pas envie d'atteindre ce palier.
Ce qui me choque, c'est qu'au tout début, quand je démarre YouTube, vous tous, là, vous aviez moins de 10 piges. Quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Plus ça va, et moi, je trouve ça bizarre d'avoir des quarantenaires en stream ou autre. Peut-être aussi parce que je vieillis. Non, c'est parce qu'il y a de plus en plus de gens, parce que les gens que vous suiviez, qui avaient la vingtaine comme nous, aujourd'hui ont grandi. Bon, moi, j'ai pas 40, hein, mais... Tu veux une anecdote ? Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop. J'avais 7 ans. Mais vous savez que, genre, ce week-end en convention au Havre, il y a des gens, ils sont venus me voir, et puis, bah, ils avaient moins de 12 ans, et du coup, bah, j'étais en mode, vous étiez pas né quand je me suis lancé, tu vois. Alors, au plus, on va avancer, au plus ce truc-là arrivera, mais je veux dire, c'était quand même assez... assez rigolo à... C'est assez rigolo à, voilà. T'en as combien, Sif, si t'as pas 40? 29 ? 29, 29 ? Hop. J'avais 12 ans au moment de F4. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, le temps file à une vitesse. T'as commencé YouTube, il y avait encore les backgrounds de chat. Bah oui. Oh, ça, ça, ça n'a pas regardé nos vidéos rétrospectives, hein. Bien sûr qu'il y avait encore les backgrounds de chaîne. Bien sûr. Bien sûr. Il y avait encore les 5 étoiles. Il y avait les 5 étoiles. Mettez la vidéo en favori. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo en avant-première sur Gear Network. Bien sûr. Partenaire Gameoniac, bien sûr. Alors ça, c'est... Là, j'ai perdu 80% du public. Là, vous avez pas connu ça. Vous mettez 5 étoiles. Mais regardez mes vidéos, regardez mes premières vidéos Pokémon ou quoi. Je dis, si ça vous a plu, laissez 5 étoiles et mettez la vidéo en favori. Eh ouais, ça évolue. Hein. Le site était tellement mieux à cette époque, tellement plus personnalisable. J'avais des bannières de fou. Mais pas que moi, on avait tous des bannières de fou. Avec les liens cliquables, tu pouvais, genre, sur ta bannière, tu mettais. C'est pas ce... ouais, non. Tu mettais et puis tu pouvais, genre, mettre... Genre, on avait des logos, on avait des liens cliquables vers les chaînes des autres. C'est-à-dire que j'avais un lien avec la gueule de Frigiel et on pouvait cliquer chez Frigiel. Genre c'était comme ça, c'était trop bien. C'est tellement personnalisable. Genre quand t'avais un graphiste qui te faisait une bannière, tu pouvais mettre un lien cliquable sur, vers sa chaîne. Enfin c'était tellement custom de ouf. Ça tu le remerciais de ouf. Enfin c'était trop bien. Après il y a eu la version entre deux où c'était encore customisable mais moins joli. J'avoue que ça avait l'air pas mal quand tu vois. Putain mais vous avez pas connu genre... Comme je le vends. Pourtant, c'était pas du tout les débuts de YouTube. Hein. Ça, c'était 5-6 ans après les débuts de YouTube. Hein. Bon, ça devient de plus en plus long de monter niveau. Hein. J'ai retrouvé le mail pour démarrer la modération. On arrive bientôt sur les 10 ans de modération. Décembre 2014. Putain, ouais. Mais je t'ai pas pris en décembre 2014, toi. Je t'ai pas pris en 2016. T'étais pas dans la première vague des modos, Kero, aussi. Je sais plus. Je sais plus. Hop. Je sais plus en fait. Hop. Danse Draco, tiens, elle est là. On en parlait. Après, YouTube a copié le logo, bien sûr. Bon, elle est plus que deux niveaux. Finir un peu à la bourre, mais ça peut le faire. Deux niveaux, mesdames, messieurs. Hop. Je pensais vraiment pas qu'on y arriverait, mais on va le faire. Hop. Alors. Hop. Dégage. On attend toujours le shiny. Ouais, on attend toujours le shiny, bon. Hein. Pas grave. Là, on attend tous l'évolution, surtout. Hop. Allez! On est en speedrun. J'ai pas d'autres mails de ta part, donc je pense que ça a dû se faire là. Autant que tout s'organise. Ah, peut-être. Ouais, peut-être 2014, Kero, putain. C'est fou, c'est marrant. J'ai commencé à regarder Sif avec son SP sur Alan Wake. Ouf. Alan Wake, le premier,
J'étais dans mon premier appart, donc c'était en 2012. 2012-2013. Ouais. Alan Wake, c'est 2012-2013. Fin 2012, début 2013. C'est qui le tout premier modo de ta chaîne YouTube et de Twitch? Je sais pas. Le tout premier, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Hop. Avance bien. Lululu. J'ai encore surf. Oh putain, bâtard. Quel chiant. Allez. 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 Un niveau et demi, mesdames, messieurs. Un niveau et demi. On peut le faire. Ouais, pour Dracolos, là, en XP pour Dracolos. Bon, au final, la prochaine fois... Enfin, la prochaine fois. On prendra au casino, comme ça, il XP'era au cours de l'aventure. Mais bon. J'ai cru qu'il était génie. Même pas un niveau et demi. Allez! Allez, ça va le faire. Levez les bras. Envoyez votre énergie. Genki-Dama, c'est parti. Acclamez-le, il arrive. Il est presque là. Faites des subs. Appelez-le. Dernière ligne droite, là, il voit la ligne d'arrivée. 2 minutes. Non, on finira pas à 20h, mais... Du-du-du-du. J'ai commencé à regarder Sifano, j'avais 9 ans, j'en ai quasiment 19. Pourtant, j'ai l'impression que c'était il y a pas si longtemps. Eh bien, parce que c'est ça la vie, tu verras. Ça passe très vite. Allez! Allez! Il avance! Non, et là on le perd, là. Et là on le perd maintenant. Ampleur 9, bam! Allez. La vie est un fleuve pas si long que ça. Aïe, 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 aïe. Fait plaisir, en tout cas, vous êtes de bonne humeur. Mon cher. Hop. Allez. Allez, mesdames, messieurs. Un aspect Pokémon avec uniquement des shiny serait bien. On en avait parlé. Bah, j'en parlais tout à l'heure, là, le Sun Goal, déjà, c'est, je pense, peut-être, pourquoi pas, si ça vous botte, un let's play un peu fusion. Mais avec uniquement des shiny, je sais pas. C'est tellement long, j'aurais pas la patience. Faut-il aimer la vie avec la mort au bout? On est en philo là ou quoi? J'adorais la philo. J'étais un mordu de philosophie. Je rajoute sur Doc des subgoals. Oh mon dieu, le shiny. On l'avait en subgoal pendant Arceus, mais ça avait pas plus que ça botté les gens, je crois. Et il est 20h, mesdames, messieurs. Est-ce qu'on peut finir avant 20h01? Je ne pense pas. Allez! En plus, il va falloir qu'on aille recharger l'eau. 20h clap. Allez, on s'arrête là, désolé. Navré. Hop. Allez, on y est là. Allez. Allez, on peut peut-être le faire avant 20h01. Ah non, trop tard. À quelques secondes de retard. Hein. C'est con, hein. C'est. Ça se joue à. Je sais pas. Ça se joue à l'aller-retour à Ville-Griotte quand Kero a débarqué. Ça se joue là. Quand on voulait aller chercher une pierre stase. Ça se joue à ça. Et la shiny. Bah, non. Mesdames, messieurs! La mort. Attends. C'est super. Let's go! Il est là, il est beau, il est beau! Bam! On l'a fait dans les règles. Cruel. Ça vaut pas le coup, on est d'accord? Non, ça vaut pas le coup.
Il va prendre autre chose ou pas? Non. Bon, on lui apprendra tout ce qu'il faut la prochaine fois. Nous allons nous arrêter là. Il nous restera Spectrum à faire évoluer en ectoplasma. Enfin bon, ce sera niveau 40, donc ça devrait quand même aller... Pour 100 subgifts, tu le relâches? Non. 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 Jamais. Et vous pouvez quand même faire 100 subgifts, hein, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas... Il est là, il est beau. Il a combien de PV du coup maintenant? 174. Allez, save. Ouais, bah non. RIP. Oh, bon. Prochaine fois sera semaine prochaine. Histoire de faire ça bien. Et on essaiera de faire la ligue. Pouf. Bon. Mesdames, messieurs, merci d'être venus. On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous du coup très vite. Portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous demain soir, live, sponsorisé sur Multiversus. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Ça va être sympathique. Je compte sur votre soutien. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Et je vous dis à demain. À demain tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.